Bonsoir, bonjour à toutes et tous. Là, je fais une soirée spéciale Baba Cool. Vous voyez là au-dessus de ma tête. Relax, que de la PS, enfin de la PS3, du Gran Turismo 3 sur la PS2. Vraiment en mode Baba Cool. Chaud, excusez-moi, je me permets. Et relax. Je peux vous saluer comme il se doit. Bien le bonjour, bonsoir à toute la compagnie. Ouais, bah je devrais pouvoir m'amuser tranquillou sous les meilleurs auspices. Là, je suis content. Recadré, bon, il n'y a pas les nouveaux éléments graphiques, ils viendront plus tard. Voilà, oh là là, qu'est-ce que je peux éventuellement faire de mon côté? On va vidanger la tuture en attendant. Je vous mette un peu quelque chose de palpitant à l'écran. Ouais. Donc, une info importante. Si j'arrive à la balancer comme il faut. La chaîne Twitch du Sage est actuellement en phase de test bêta afin de vous garantir des émissions de qualité à partir du 1er janvier 2022. Dans l'immédiat, vous observez actuellement le signal depuis le canal secondaire, le -bas robot -bas du -bas sage -bas de -bas Nancy, mais vous êtes invité à interagir dans le chat de la chaîne principale, https. J'espère que le son va pas être trop fort. Bon, c'est pas grave, je prends la télécommande du téléviseur et puis. J'ai le nécessaire. Oh, je me reviens un petit peu de rallye. J'ai une bonne surprise avec le rallye de ce matin. J'ai bien envie de m'y refrotter avec la Celica. Ouais, on va faire un autre tracé. J'ose espérer d'ailleurs que le premier soit le plus facile. Ah, ah, une petite Peugeot. Le son a l'air d'être correct. Je vais garder. C'est cool. La petite Peugeot qui a un lion sur le capot me met un vent et me fait mordre la poussière comme l'autre ce matin. Voilà, donc soirée tranquille, j'ai même pas envie de faire de tests de tête, enfin j'ai rien préparé, j'en ferai quelques-uns demain matin. Là c'est de la pure détente parce que je prends plaisir à être sur Twitch du coup, je vais pas prendre mes aises. Plus je me relaxe de ma journée quoi. Donc Gran Turismo ce soir 3 pendant 3 heures moi. Je m'arrêterai vers 23h30 minuit je crois. Plaisir du samedi soir. Oh.
je suis tombé passe. Ouais. Ça fait bizarre. Et bah c'était en valeur. J'ai pas mis le. Ah si merde. J'ai mis l'equalizer sur le nom. J'avais pas fait gaffe que je l'avais activé, donc du coup ça met les basses en avant. Ça fait bizarre. Ah, bah oui. Chapulche. Est-ce que chapulche chez vous? Ah, le délire. Mais ma bagnole elle aura un petit peu plus d'accélération de punch de patate. Mais je pourrais tenir tête à la Peugeot également. Hein. Là honnêtement je serai au volant pédalier. Bon là je suis à la manette. Hein. Mais au volant pédalier, je me demande si je pourrais pas prétendre en peaufinant mon pilotage à lui faire la Peugeot. La violence gratuite. La violence routière qui est tous les jeux. C'est horrible, mais c'est vrai. De battre chrono et gagner la course. Tenir tête. L'expression la plus appropriée. Bienvenue au club de la musique ninja. La plus chère libre de droit sur internet. J'aime bien voir les paniers, c'est bon. Oh là là là, la poussière. Alors après cette course, ma voiture aura gagné le droit d'un lavage parce que j'ai démarré la course avec une peinture grise et je vais me retrouver avec une couleur café au lait. Et le bordel. C'est la guerre. Merci à faire ma course. Oh là là, enfin, on est samedi soir. Voilà. Bêta. Et je le répéterai encore une fois, parce que ça n'amuse que moi. Bien le bonjour, bonsoir à toute la compagnie. Aïe aïe aïe. Thank you.
pas apprécié le bazar. Je suis en train de bidouiller un truc dans ma coulisse, hein, mais vous en faites pas, je laisse le signal de la... du jeu, mais un truc que je piche pas. Ah, c'est trop bizarre ça. Je savais pas que je pouvais pas ne pas le faire. Ah bah oui, je suis pas connecté. Ah, c'est pas grave. Celle-là et puis ouais nuage de poussière je te fais pas dire et puis après je reviens à l'Alsat avec une autre bagnole. Ah, le circuit n'est pas trop... je me garde. Parce qu'effectivement, avec la poussière, j'ai même une notion des distances. De la perspective. Dur. Non mais oui, non mais là la poussière c'est bon. Bah je peux pas bouffer avec une aspiration, c'est vrai. Ah la meuf. Le circuit je le connais pas. Oh la vache, je l'avais là encaissé dans le kino. Les murs sont un peu silencieux à côté, je me souviens plus comme ça. Ah non mais génial, c'est sur quoi tout, j'aurais que de la poussière, ça va pas le faire. Moi aussi je tape.
pas que la Subaru. Oh là là, j'ai contrebraqué, j'aurais jamais vu. Est une soirée sans prétention. Asseoir différemment. Je vais dégouliner un peu. Pardon. Je me laissais à chaque fois impressionner par la centaine de poissons de l'us de France. Et de ces noms de poissons. Et la folie. Qui me démange. Me gratter.
longtemps, j'avais pas vu les petits voiliers. Mimi, ce plan-là. On va faire un test. Je serais pas tenté de dire qu'il a crash. Il a pas voulu mon poisson. Ouais. D'ailleurs. Oh non, on verra après. On n'a pas l'importance. Oui, alors attends. Merde. J'en oublie le jeu, moi. Non, je suis fou, moi je vais pas aller en Ligue Amateur avec la Celica. Elle est pas assez puissante. Qu'est-ce que je peux faire d'ailleurs en Amateur que j'ai pas entendu. Et pourtant, j'ai pas compris qu'à faire. J'ai même pas de MR. J'ai rien en traction à milieu. À moteur central. J'ai pas de mère.
Bah, avec 60 000 boules, je vais pouvoir m'acheter une MR, non? Je suis le concessionnaire. J'aime bien Toyota. Il doit y avoir la dite fameuse MR. Il y a plusieurs versions. Voilà, là après c'est des bagnoles que je peux. Après, c'est des MR là je crois. Pas du tout, c'est une FR. Donc c'est une traction avant. Là c'est une MR. Ah, attends, elle fait quoi? Elle fait en gros 240. Elle est moyennement lourde. Elle fait 200 celle-là. Pas 38 celle-là. Par contre elle est légère. On est en décapotable. Et l'édition limitée qui est pas mal. Deuxième génération, elle a dit quoi? Non, deuxième génération aussi. Je peux prendre la GD Limited. Ah, oh, j'aime bien le ouais, super rouge, elle est jolie. Ah, en indigo, si elle est pas mal. Et non, je vais la prendre en rouge. Ouais. Ouais. J'ai déjà la pilotée de série pour voir ce qu'elle. Mince, je suis en train de sortir du mode. Oui, bonsoir FunFan, merci. Je suis en train de te voir. Oui, mais alors là, t'as fait la bêtise de suivre. Mais c'est gentil. Tu as suivi en fait mon compte secondaire qui est le robot. Et j'aimais depuis le robot pour une raison toute bête, c'est-à-dire que j'aimais officieusement. C'est pas encore officiel. Je suis pas encore satisfait du résultat final, comme tu le sais. Grâce à ta gentillesse, j'avais déjà pu tester, souviens-toi, sur ton Discord. Là, j'essaie de me familiariser vraiment avec Twitch et mon OBS pour bien gérer. Si tu veux interagir avec moi textuellement et tester des commandes, il faut que tu t'ouvres juste le chat de mon vrai canal, le Sage de Nancy. Parce que c'est là-dessus qu'il y a le vrai Wiseboot, le bon, le vrai. Là, t'es tombé sur le petit Wiseboot que j'ai installé en plus par erreur sur le canal secondaire. Il faut pas faire attention à ça. Donc voilà, j'ai préparé une alerte dans ce sens. La chaîne Twitch du Sage est actuellement en phase de test bêta afin de vous garantir des émissions de qualité à partir du 1er janvier 2022. Dans l'immédiat, vous observez actuellement le signal depuis le canal secondaire, le -bas robot-bas du -bas sage-bas de -bas Nancy, mais vous êtes invité à interagir dans le chat de la chaîne principale, https. D'ailleurs, en plus, comme t'es modo sur ma chaîne, tu vas pouvoir, tu sais, balancer des points d'exclamation MSG, des messages, tu vas pouvoir utiliser la synthèse vocale pour directement me parler. J'aurai même pas à te lire. Si ça te dit d'interagir avec mon direct, quoi. Là, je me fais une soirée pépère sur Gran Turismo 3. Besoin de me détendre. Une grosse semaine pour moi de rentrée, et là, ça me fait du bien. Et en plus, inconsciemment, tout en jouant, d'être en condition quasiment réelle, je cogite pour ce que je veux faire dans la coulisse de ma chaîne. Là, c'est cool.
Ah, elle est belle. Ah, elle est belle cette voiture aussi. Ils ont des bons modèles hein, chez Toyota. J'aime bien, ça me tape à l'œil des sportifs Nippon. Une fois que j'aurai fini la course là, je jetterai un petit coup d'œil dans le Discord pour voir si tu m'as raconté quelque chose. Et là, depuis que je t'ai fait un petit mot fan, j'ai pas regardé. T'es concentré à acheter ma nouvelle tutu. Ce dérapage presque pas contrôlé. Sanctionné par le commissaire de course. Il fait n'importe quoi. J'ai un petit peu trop anticipé le virage. Alors, j'étalis discrètement. Ah oui, voilà ce que je viens de t'expliquer. Le canal secondaire, c'est le... Donc toi, t'as Fun Mono. Et moi, j'ai le robot du chat de Nancy. Si tu veux interagir dans le bon chat en direct sur la chaîne, il faut que tu ouvres deux fenêtres en fait. Le deuxième vidéo est sur le robot et le mon vrai chat, le sage de Nancy, si tu veux balancer les commandes, à ta guise. Hop là. Réussi Fun Fan. Alors à partir de là, tu m'as écrit je suis sur ta chaîne secondaire,
Là, sur le chat là, tu peux m'envoyer des commandes. Tu peux m'interpeller avec le fameux point d'exclamation MSG et ton message à la suite. Si t'as envie, hein, pendant que je joue connard ce soir. Tu sais que t'as tes commandes de modération disponibles. En dehors de ça, j'espère que tu vas bien, mon cher FunFan. C'est bien, on se retrouvera demain pour le Stronghold. Ouais, bien, c'est cool. Ouais, c'est bien. En tête, et puis la fatigue de la semaine. Je suis confi. Je passe si bien parce que. Voilà, plus vite. Donc. Cassé. Pourquoi ça fonctionne? J'ai obligé de faire le fiche classique? Ah oui. Hein, bizarre ça. J'ai obligé de faire le fiche classique. Un verrou du Danube. Oh, stylé dérapage. Donc j'ai joué sans prétention, peinard, je pense jusqu'à 23h minuit environ. Voilà, ah bah cool. Oh, le bout de la voiture. Le bout de la voiture. Bonjour les suspensions. Alors, je suis là, mais je fais en même temps un montage pour Max Payne. Ah, bah, bon courage pour ton montage. Ouais, c'est toujours chronophage pour le... tu fais le montage de ce qu'on a fait en 7-8 heures. Enfin, surtout toi, à la manette, que t'as fait pendant 7-8 heures le lundi dernier. J'ai un petit souci avec Twitch, je suis obligé de reprendre la vidéo et de reprendre les moments que j'ai besoin. Bah bon courage, ouais, c'est le genre de copier-coller qui est pas évident. Ouais, ça prend du temps et c'est délicat, ouais. Vérifier, non, elle peut pas être un moteur atmosphérique. Si elle est un moteur atmosphérique, c'est le contraire. Alors, le gros à 700, bon. Si génial que ça. Alors, du coup, les moments où le jeu a planté, ça m'arrange. Ça ne fait pas 6 heures à prendre d'un coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'imagine. Allez, je monte à 300 maxi avec. Je vais mettre
de sport. Voilà, mais... la petite sympa. De vitesse, je sais pas si je peux avoir la main. Ah si. Pas si la très courte c'est une bonne idée. La très courte peut être sympa pour les voitures puissantes. Ah c'est très risqué. Ouais si allez, je prends le risque. Je prends le risque de mettre la très courte. Tant pis si je pêche sur les... Parce que je pourrais acheter plus, j'ai pas besoin. À mon avis, j'en ai fait une vraie petite bombe. J'ai suffisamment investi pour gagner les. C'est bon endroit. Allez, c'est parti, mon kiki. Et je vais me resservir à boire. Du jus de fraise. Ah, du sirop à la fraise. C'était une petite goutte, mais c'était le début. C'est vrai que le Grand Turismo 3 avait la grande qualité de proposer des qualifications. Je joue même pas le jeu, je devrais en fait. Ah oui, on voit que la boîte est très courte. J'ai une accélération d'enfer. Et hop, à moi la première place. Voilà. J'ai fait de la Toyota MR édition limitée, une bonne petite bombe. Je la remets déjà plus d'une seconde. N'importe quoi. Alors que c'est le premier temps intermédiaire que j'ai démarré dernier. La classe! Je demande le pot.
Ah oui, à mon avis, elle va pas au-delà de 200 km/h, la Toyota, mais... elle était en souffrance à 189 km/h. Au moins, ça mérite d'être clair et facile à retenir, 200 km/h max. Oh, il y a les parties sinueuses, je vais en mettre 3 secondes dans la tronche.
Eh bien, si je me mets à veiller, si je me relaxe déjà, que je relâche la pression de la journée. Eh bien. Évidemment, je suis à la limite du dérapage incontrôlé. Voilà, on marche le coup de la pêche ou il marche plus? Ah si, il remarche là. Parfois, Wisebot est un peu capricieux. Il est peut-être très sollicité en ce samedi soir. C'est possible. Eh oui, j'ai une victoire en la main, Toupi. Je me fais mon GG. Ah, que c'est bête. Hop, entrez. Là, je vais faire la qualif, tiens. Ah, ça me perturbe gravement parce qu'en fait c'est le circuit final mountain mais inversé. Donc là j'ai le cerveau qui est en train de bugger parce que j'ai plus tous les repères. Je suis en train de redécouvrir le circuit inversé depuis 10 ans déjà. C'est facile de voir. J'ai l'impression que la luminosité est mauvaise. Il faudrait peut-être qu'artificiellement j'augmente la luminosité dans le signal vidéo. Ça fait vachement sombre. Oh là là, oui, là, j'étais parti en train de taper tout à l'heure. Je croyais que c'était la route. Là pour le coup je regrette pas d'avoir mis la qualif. Parce que je suis en totale perte de repère. Parce que la luminosité est normale. Non, c'est le circuit qui est vachement sombre en fait. C'est que j'ai des admirations en frein sport. Qu'est-ce que ça aurait été avec les freins d'origine? Ça aurait pu encastrer dans le mur. Oh, le tête à queue. Et je vais me faire percuter. Oh, bah pour cette qualif là, c'est raté. Ok, prochain. Non mais sérieux, on voit rien. C'est tracé des enfers. On voit tout de suite.
Bien, je m'épingle. Je ne peux pas déjouer les lois de la physique. Non, j'ai encore freiné vachement pour tarder. J'arrive pas à me convaincre en essayant de mémoriser le tracé inversé. J'arrive pas à me convaincre que le virage arrive aussi vite, aussi serré. N'importe quoi. Là, je suis en train de faire mal. Mon ami, je reste mon dernier dans le truc. Ah, je suis cinquième. Il y a du mieux. Pas mal. J'ai essayé de passer le fameux virage en pas au frein à main mais en dérapage contrôlé très serré. Et visiblement c'est passé. Pas pas que je me sois servi du décor. Mais il fait tellement sombre dans cette portion de tracé que je ne pourrais pas l'assurer. La route qui me percute à la sortie du tunnel, c'est que je suis de la mouse. Je pilote mal. Cette portion-là, je la maîtrise pas parce que je suis à la veille. Voilà, pour le coup, la course va pas être folichonne. Ah ! Ah ! Excusez-moi. J'ai à peine fait mieux d'un dixième de seconde. Oulala, ça craint du boudin. Ah si, ça va, ça passe. Hop, 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 j'ai refauté sur la même portion. Je suis remis à mordre, sauf que là, je suis pas reparti en tête à queue. Heureusement pour moi.
Ah, premier. C'est beaucoup mieux. Je suis en pole position. Je vais arrêter là d'ailleurs la qualif. Attends. Ah oui, cool. Ah oui. Voilà, pour le coup, là, oui, j'ai fait 3 secondes de mieux. Donc, si je fais pas l'idiot, je devrais la gagner au lama. Si je ne fais pas l'idiot. Bah, en plus, le simulateur prétend que j'ai les phares allumés. Eh bah, dis donc. Bonjour la puissance des phares, ça va pas loin. Avoir au même endroit, il y en a deux qui m'ont dépassé, c'était sûr ça. Ah bah ça y est, tout le monde me dépasse. Allez, c'est la fête. Faites-vous plaisir, c'est pas comme si on était le samedi soir. Ah, ça va donner un ralenti mouvementé. Voilà. Commissaire de course seront témoins, j'ai été poussé. Ah, je m'enfuis. Oh là, trop vite. Merde. Ouah. C'est le drame. Ah mince. Ah bah j'ai peut-être perdu la course là. Je pensais que la décélération suffirait et j'ai eu tort. J'aurais dû freiner. Oh, je suis en train de tout perdre, mon avantage de la qualif en plus. Oh nul le mec. J'ai perdu. Ah, qui niveau. Tout ça pour le foot de freinage. Ah, je vais finir quatrième. Aïe, 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 la faute. La faute. Ah, là, là. Ah, tout ça pour ça. Et le jeu. Là on pourrait me jouer hein. Je me conspuer. Ah non, sauf que c'est pas le bon. Ah,
Ah, je vais la retenter, mais sans calif. J'arrive comme une bombe à 200 km/h. Ah, pourquoi j'ai contre-braqué? J'ai perdu mon repère. Le dérapage, oh là là, j'ai allègrement coupé le gage en épingle. C'était vraiment le dérapage non contrôlé, mais ça passe.
Et n'importe la ouais. Et là, j'ai gagné. Morale de cette histoire, faites du hors-terrain. Aïe, 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 faites du tout-terrain. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas joli. C'est n'importe quoi. En fait quand je suis en train de faire là. J'ai pas l'air idiot de me taper dedans. Oula! Comment que j'ai coupé comme un sagouin. C'est moche, c'est moche. C'est qu'il y en a qui écoutent de la techno dans ma ville, j'entends du boum 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 dehors, qui est pas du tout synchronisé avec mon boum 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 à moi. Les joies du samedi soir à Nancy, ouais. Oh là là.
Ah, je tente les qualifs, allez. J'essaie de faire quelque chose de propre là. Home. Le coup que je vais mettre un coup de pied à mon micro. D'ailleurs, du coup, j'ai un peu décalé mon cadrage. Alors, c'est tout le matériel du problème. Ah, je vais remettre à quasiment une seconde. Ah, c'est la violence. On va partir rapide, tracé. Wow, 4 secondes et demie. Le vent de 2h30, c'est moins de me rattraper. Allez hop, train de la canif. C'est parti mon kiki. Ah ouais. J'ai un stratosphérique 1,47,799. Se défendre. Faudrait que je vois dans quel autre je pourrais m'inscrire.
Oh mon dieu, qu'ai-je fait? Ah, je vais te lire, fun fan, j'ai vu que tu m'as envoyé un message. Termine ma course dans les 30 secondes, là, et je te lis. Je te lirai, j'ai un souci. Alors, tu as fait une petite erreur pour les épisodes commentés, c'est à partir de 21h et pas 20h. Ah, exact, je me suis peut-être bourré dans l'horaire. Je me suis mis 20h en tête, je sais pas pourquoi. Merci de me corriger, FunFan. Je vais me le noter. C'est pas si... Ah oui, c'est pas comme si j'avais pas pris ma feuille et mon crayon. Je le reverrai de toute façon dans le chat. Je me repasserai mon ralenti. Je le reverrai. Mais tu fais bien de me dire. Merci, fun fan. Oui, en plus la correction sera vite faite. Je donnerai le... Et encore, je dis ça. Sur Vim, ça va être plus facile parce que j'aurai le... J'aurai le texte à éditer. Il faudrait que je fasse ça demain. Je corrigerai mon image de fond et je la rechargerai avec 21h et pas 20h. Oui, alors t'en fais pas pour la musique. Merci pour l'avertissement, FunFan. C'est mes propres compositions. Et mes compositions, elles sont libres. C'est-à-dire que je les ai toutes déclarées déjà. J'ai commencé en 99. Je les ai toutes déclarées en Creative Commons. Donc là, pour le moment, j'ai eu aucun avertissement. Je suis serein. En plus, je peux revendiquer la paternité de mes œuvres. Hein, de ma signature dedans. Mais tu fais bien de me le dire. Oui, merci. C'est sympa, ça met une ambiance. Je suis content. Et j'arrive à associer tout ce que j'ai fait les années passées. Ça s'emboîte bien. Jamais en composition, je m'étais dit qu'un jour, j'allais utiliser ça en arrière-plan pour poser une ambiance en direct sur Internet. C'est cool. J'ai du bol. Tout tombe à pic, tout tombe à point. Et ça s'imbrique. Et ça qui est bien. Pas de la manche. Voilà, ça va pas avoir. Ah, je bois.
Ah oui, c'est vrai que je gagne le championnat depuis. C'est quoi la tuture? Oh, c'est une décapotable. Ah bah c'est la MR, mais dans sa version décapotable. Bon, c'est pas plus mal, puisque j'ai une autre version. Je vais collectionner les MR. De toute façon, c'est le genre de jeu, c'est comme le concept Pokémon, c'est bien japonais ça. C'est la collectionnite qui est encouragée, il faut avoir tous les modèles dans toutes les versions. Ah, je suis sûr que je peux ressortir la MR quelque part. Bah tiens. J'ai le droit de participer ou pas? Ah non. Elle est trop lourde apparemment. Ah ouais, c'est une sélection de... Ouais, il y a trois bagnoles possibles, rien de... Ouais, bon. Pas grave, genre. Ouais. Ouais, c'est vrai que les comment ça s'appelle? Les constructeurs, que je les essaye. Je vais un petit peu essayer hors antenne la Yaris. Et une rose bonbon, c'est rigolo. Peut-être essayer comme un idiot à faire le... À mon avis, je serais bon dernier, mais juste pour le délire. Ouais, tiens, on va voir. Je serais curieux de savoir ce que je vois sur ce tracé de ville de nuit assez sinueux. Avec ma petite bombe qui accélère bien. Très envie de tester pour le divertissement. Je vais commencer d'ailleurs par les qualifs. Allez hop. Ah oui d'accord, c'est des voitures de rallye, je suis mort. Tu fais pas le poids. Wow. Donc la bagnole me passait à côté. Oula. Je pilote très mal. Et surtout que je l'ai pas mémorisé ce tracé. Le virage à 90 degrés. Ouah, rentre-moi dedans, je te dirai rien. Mais... Oh, t'as cette Toyota Celica de rallye que je rêve d'avoir, d'ailleurs, au passage. Comment tu m'as fait y rentrer dedans? On aurait dit du stop-car. J'ai fait trop tard. Waouh! La Subaru qui me passe devant, ça m'a fait flipper. Non, mais je crois que je peux pas aller plus loin dans les qualifs parce qu'ils vont tous me mettre un vent monumental. Je vais juste faire la course pour le délire. Ouais, non, c'est une catastrophe. Allez, la course! Deux tours, hein, ça va, c'est gentil. Hein. Émoticône souriant, FunFan1992 dit ceci, en 2022 certains streamers de la retraite parce que tu leur fais peur XD. Quoi? Quelle retraite? Pas la mienne en tout cas. On ne me mettra pas au rebut.
Alors je te relis dans la ligne droite. Certains streamers de la retraite parce que tu leur fais peur. Merde, du coup je vais me taper le mur de plein fouet. Et je regarde pas ce que je fais. Certains streamers de la retraite parce que tu leur fais peur. Oh non, je veux surtout pas. Je ne veux surtout pas susciter la quelconque crainte à qui que ce soit. Nullement. Oh non, 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 bonne humeur. Ouais, bonne humeur pour toutes et tous ici. Alors en 2022, certains streamers de Twitch vont prendre leur retraite car tu vas prendre leur place. Oh non, c'est hyper prétentieux. Non, de toute façon. Émoticône souriant, FunFan1992 dit ceci. En 2022, certains streamers de Twitch vont prendre leur retraite car tu vas leur prendre leur place MDR. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir ? Je ne suis pas devant. Que je sache, vous non plus. J'ai fait un pilotage de caca boudin. J'ai honte. Aïe. Voilà, installé ma jambe sur ma... Ah, je vais me taper au mur. Au contre-pied, je vais encore passer mes jambes sans faire mal. Ah, la musique est plus forte que ma voix. C'est scandaleux. Merci pour l'info. Je pilote très mal. Émoticône souriant. FunFan1992 dit ceci, la musique est plus forte que ta voix. Ouais, je vais baisser un peu le son. Je vais baisser un peu le son. Attends, là, je fais pause. Vas-y voir. Voilà, au lieu de mettre à 20%, je vais mettre à 10%. Mais merci, tu fais bien de me le signaler. Yay. Ah, il a pas voulu lire ton message parce que Wiseboot est un petit peu en grève. On l'a peut-être un petit peu trop sollicité en une seule fois, mais oui, j'ai vu, la nouvelle est cool. Ouais. Ah, la nouvelle voix est cool. Ah oui, oui, c'est-à-dire que par défaut, Wiseboot, quand tu demandes la synthèse vocale, t'as la femme, comme chez Franck. Et moi, j'ai trouvé l'option pour la changer. Et j'ai trouvé que le mec était mieux. Donc, et puis comme je devine qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont trouvé l'option, parce qu'il faut dire qu'il faut la fouiller l'option. Je suis tombé dessus par un heureux hasard dans les options Wisebot. Et je me dis, oula, je vais changer, je vais prendre un autre truc pour faire un peu la différence. Et c'est cool. Moi, ce que je trouverais super top, c'est, et puis tu vas me comprendre parce que t'aimes bien aussi les séries télé des années 90. J'aurais adoré, tu sais, avoir la voix française de K2000. Ça aurait été trop fort. Ouais, ce serait trop drôle. Ah, ce serait un kiff énorme. J'ai l'impression que K2000 te répond. Faut pas dire ça à Vincent Perrault. Ah oui, j'ai fini bon dernier, mais avec la classe. Là, je dis, je mérite mon GG. Non, 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 je dis Vincent Perrault. Non, non, c'était pas lui la voix. Je dis Vincent Perrault parce qu'il avait acheté il avait acheté un des modèles du tournage de la série. Il a acheté, c'était une Pontiac Transam, je crois le modèle, K2000.
Mais sûr, c'était une Pontiac. Et il est fan de bagnole, Vincent Perrault. Et donc il avait acheté le modèle, un des modèles qui a servi au tournage de la série. Et je sais aussi, je sais pas comment il a fait son affaire, il était propriétaire d'un dragster et il a trouvé une moyen de se faire voler son dragster. C'est... Ah là 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 là. Je me demande vraiment comment il a fait son affaire. C'est pas du tout commun comme objet, comme véhicule, mais bon. Triste époque où tout se vole. Je le mets pour moi à titre d'information quand je relirai mon chat, le ralenti là. Je vais me dire que j'ai mis à 10% la musique. Voilà, ça va être une indication. Au lieu de 20% tout à l'heure. Comme ça, quand je me réécouterai en off dans la semaine, je me dirai tiens, le réglage là est bon. Hein. Merci de ta remarque, FunFan. Émoticône souriant, FunFan 1992 dit ceci, bateau FunFan bateau. Ah, le problème c'est qu'il y a le texte derrière le nom de l'icône. Ah comme le nom j'ai des bêtises, c'est toi qui as écrit textuellement bateau en fait. Ah j'ai fait sauter ma webcam. Je me suis tendu un peu trop la jambe, j'ai tendu le pied et puis quick. Minute papillon. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut sortir le mot panne. Ben, quand il y aura une panne, il faudra dire ça. Veuillez excuser l'interruption de votre programme. Suite à un problème technique, en cours de résolution, nous ne pouvons pas diffuser le direct dans des conditions normales. Merci de votre compréhension. N'hésitez pas à poursuivre vos échanges textuels, dans le chat. Tentez votre chance à la pêche et autres jeux en attendant le retour à la normale. Effrayant mon cher FunFan, si tu savais. J'ai déjà dans Wisebot, j'ai déjà passé le cap de la 150e commande. Je suis mais un fou furieux dans le système. Il y a plein de trucs à faire en fait, c'est génial. C'est aussi classe que Franck. Oui, merci. Un beau compliment que tu me fais là, merci. Ah tiens, si on peut se permettre de discuter un petit peu de Franck sur mon canal, tout à son honneur bien sûr. Moi je trouvais absolument génial son projet de 6 semaines en Grèce et de nous faire profiter
de ces voyages de ces 3-4 îles grecques en mode globetrotter. Je sais pas ce que t'en penses, on n'a pas discuté entre nous. Si ça te dérange pas, t'en discuter sur mon canal. Alors attention à ce que tu dis, parce que ça t'immortalise, ça va rester en ligne. Je te taquine, mais bon, je te préviens quand même, par principe. Mais même si je sais que tu n'iras pas rentrer dans le Lara Franck du tout. Et franchement, ce projet d'aller dans les îles grecques et de nous faire partager ça pendant 6 semaines, j'espère qu'il n'aura pas de pépin technique, son projet va marcher, il va faire un carton, du moins je lui souhaite. Moi, je vais regarder avec plaisir, ça va me faire un effet rendez-vous en terrain. Émoticône souriant, Funfan 1992 dit ceci, il reste aussi longtemps en Grèce pour prendre du poids XD. Oh non. Ouais, c'est vrai, ça aussi, ça m'a marqué quand il a fait son aveu de « on peut me faire mourir par l'assiette au niveau de la gourmandise et je peux manger sans limite. » Il va peut-être tomber dans le piège. En 6 semaines, tu peux vite prendre du poids si tu manges trop gras ou trop déséquilibré. Ah là 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 là. Et franchement, je trouve génial son projet. Je pense honnêtement qu'il va nous en mettre plein la vue. Je fais juste vœu vraiment qu'il ait bien rodé son truc avec Pilouette et tous ceux qui l'ont aidé. De pas avoir de soucis techniques, qu'on en profite un max, parce que franchement le projet, respect quoi, il est beau. Ouais c'est ça, très bon jeu de mots, qu'il fasse attention de pas prendre trop de graisse. Très bien dit Funfan, bravo. Ah là 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 là. Tu mériterais d'ailleurs que j'ajoute un complément d'information et que je le mette dans ton tableau des citations sur ta chaîne. Très bien, bravo. Bon, attends, je vais peut-être me concentrer et pas prendre une course au pif alors que je sais qu'elle est perdue d'avance. Je vais reprendre, tiens. Non, sinon plus sérieusement, je trouve le projet génial. Ouais, tu penses comme moi, hein, tu partages. Ah, je fais vœu qu'il fasse un carton. Et qu'il se fasse un nouveau public en même temps du précédent, ce serait cool. Attends, je me concentre quand même sur ce que je fais. J'avais vu très brièvement une fois sur Twitch le... Ouais, c'est original, ça va me changer, c'est sûr. Et ce qui est beau, c'est que là où il a la motivation, on voit que c'est un truc qui lui tient à cœur, qu'il veut faire. Donc va y avoir un... Il va nous captiver, j'en suis sûr. Qui va être à fond dedans, ça va être trop bien. Attends, j'ai envie de me ressortir ma Chevrolet Corvette et faire l'anneau pour me faire du fric facile et doper une autre bagnole. Tiens, je vais peut-être en profiter pour sauvegarder quand même de ce que j'ai fait là maintenant, on sait jamais. Peu que j'ai un quelconque accident, que je sauvegarde, que je sois serein. Qu'est-ce que je voulais dire J'avais vu une fois sur Twitch brièvement quelqu'un qui disait en direct, lui aussi il avait le même matos que Franck, enfin il y avait le même résultat bluffant, où t'avais l'impression de voir un numéro d'Ushuaïa avec, j'ai failli dire avec Buzz Snow. Ma mémoire a bugué. Ushuaïa avec Nicolas Hulot, pardon. Et il était dans la baie de Saigon, superbe. Bon, malheureusement, j'avais suivi que 10 minutes parce que j'avais d'autres choses à faire, mais... Oh là là. Ça va être trop bien, les directs de Grèce. Oh, trop bien. Alors, attends, concentration... C'était là, normalement, je crois. Non, je me suis trompé. C'est pas en amateur, c'est... Mais c'est pas grave. C'est pas en amateur, c'est en... Bon, c'est pas grave, je vais faire deux ovales différents. C'est en... La catégorie au-dessus. Plus ça va être rigolo, plus ça va être rapide, ça. On va dire que ça va être un échauffement. Je m'en suis trompé.
D'ailleurs, je pourrais presque me dire. Non, les jugements, je ne vais pas faire d'annonce sans être certain de pouvoir me dire de graver dans le marbre. J'allais déjà faire des projections pour dimanche, le week-end prochain. Mais... Non. Je sais pas ce qui m'arrive, mon cerveau a bugué alors que j'ai déjà dîné à 20h là. Mon cerveau a bugué, je sais pas pourquoi, je me suis subitement rappelé que c'était bon de manger des beignets aux crevettes. Alors que je suis rassasié, hein, j'ai pas l'appétit. Je suis satisfait de mon repas, de mon dîner. Pourquoi je me rappelais subitement que les beignets aux crevettes ça existait? Mon cerveau a littéralement bugué là. Je suis incapable de me justifier. Ah bah c'est fini. J'ai une dive. Ouais, j'étais pépère là. Je me suis pas forcé. Et tranquillou, c'était bien. Ah, je les ai pas si distancés autant que ça. Hein. Ah, je pensais que j'aurais une avance de 4-5 secondes, mais pas du tout. Non, je peux pas faire mon malin. Ah, c'est déjà pas mal, 10 000. Oui, non, là je me permets de zapper le ralenti. Il est pas. Il y a rien de palpitant. Non, la grosse course que je voulais faire, c'était en Ligue Amateur. C'est vrai, il y a quoi? Il n'y a pas la test. Ouais, j'ai regardé un peu le championnat américain. Ah, là aussi, il y a le Super Speedway. Et il paye combien la victoire? Ah, 7500. Je suis démotivé. J'aurais aimé plus. Comme là, j'ai gagné 10 000. Dans ce monde, ça a aussi. Ah bah, les modèles américains, c'est pour moi ça. Ah, tiens, Super Speedway. Combien il paye la... Oh, 7500 encore. Ah, c'est quoi? Ah, 10 000, c'est déjà mieux. De toute façon, je peux pas y aller. Je remplis pas les conditions. Bah, c'est celui-là où je me fais 15 000 d'un coup, ouais. Alors, je retiens, c'est le moteur atmosphérique. Ouais, là, pareil, c'est l'équivalent aux 15 000. Test court, j'ai eu que le. Ah, 25 000! Mais je vais m'inscrire dans celui-là, oui! Alors, je regarde un peu. Je regarde un peu beaucoup. Ça n'est pas fini. Voilà aussi, j'ai un test court. 25 000 aussi. Alors, attends, je vais essayer le 25 000, mais de l'autre. Ouais.
Sachant que l'autre, j'avais 25 000 en faisant 5 tours. Là, je sais pas c'est quoi la condition. Combien de tours il y a à faire. Surtout avec quel... 5 tours aussi. Oui, c'est sympa, les adversaires. Ah bah j'ai une petite Corvette C5R. Occasion. Oh, j'ai pas fait le jeu de la pêche. Oh, le jeu de la pêche. Une bondelle. Approchez une bondelle. Ah, je voulais passer entre les deux sans les percuter, mais j'ai pas réussi. Dommage, mon dépassement n'est pas propre. J'ai l'impression que quand t'entends le bruit du moteur en continu comme ça à fond, j'ai l'impression d'être à bord d'un aspirateur. Ah, les joies du sport de l'île. Wouhou! À fond dans le tunnel. Que je fasse mon malin. Ils sont pas loin derrière. Ah ouais, mon ennemi. Ah, la concurrence c'est rude ce soir, je trouve. C'est bien. Par équilibre, ça remet un peu de challenge. Bien, ma Corvette qui monte à 350 km/h. Deux pieds. 600 chevaux sous le capot. Ah, enfin, je m'achète la Dodge Viper aussi. Voilà, j'ai pas de voiture à m'acheter encore. La carrière va être longue et agréable dans ce jeu de combat. Émoticône souriant, FunFan1992 dit ceci, Wizbo va chier dans ton circuit électronique. Je me permets de te rappeler mon cher FunFan que tu as ton son dédié. Si tu fais plus FunFan, je crois. Je sais même plus comment j'ai fait ta commande. Avec la version soutenue du vachier dans ton chapeau. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. C'est ça. Voilà, c'est bien. Essaye de provoquer Wisebot. Alors Wisebot, tu le provoques en fait au niveau de son intelligence artificielle, tu tapes son nom
plus le point d'interrogation en fin de phrase. Mais je crois que j'ai personnalisé son intelligence artificielle. J'ai programmé une phrase à la noix, il faudra que j'en programme d'autres. Je peux faire des trucs, ouais. Ah, il faut peut-être séparer Wisebot et le point d'interrogation, on va pas tout attacher à cette phrase. Mais il y a des trucs à faire. Il faut juste avoir l'idée et prendre le temps de le programmer. Mais il a l'air en PLS la Wisebot ce soir. Pas pourquoi tu relances deux fois la même commande. Et surtout, n'hésite pas à me piquer des idées, hein, fan. S'il y a des trucs qui te plaît sur ma chaîne, dans ce que j'ai programmé, n'hésite pas à te noter dans un coin, dans un post-it, un bloc-notes, et dire tiens, je veux piquer ça, tu me le redis quand on se voit dans ta coulisse, que je te le programme. Je suis fou, je pilote et je fais le jeu de la pêche en même temps. C'est pas comme si j'avais une touche préprogrammée sur mon clavier. Ah, j'ai perdu en plus dans mon jeu de la pêche. C'est 50-50, hein, comme on peut régler la molette de chance dans Wisebot. La pêche, il est mieux 50-50. Comme ça, il y a un maximum de suspense. Émoticône souriant, FunFan 1992 dit ceci, à moins que l'idée soit vraiment bonne, sinon je préfère garder mon originalité. Oui, tu as raison. Tu as raison. Parfaitement raison. Faut pas. Oui, tu me l'avais dit d'ailleurs spontanément, tu avais vu juste de dire il faut pas que je te propose trop de trucs et que tu en acceptes trop de moi, parce qu'il faut pas que je t'éteigne sur ta chaîne. Et tu as parfaitement raison. Et c'est le danger de, entre guillemets, pas semaine, de mélanger les jars. Mais, enfin bref, tu sais que je fais vœu que mes idées puissent te donner parfois des idées de son propre. D'apprécier mon propre chat. Moi d'autres termes, vive moi. N'importe quoi. Ah, je dis n'importe quoi.
Oh, les jolies couleurs. On dirait presque arc-en-ciel sur la grille. Ah, je vais quand même mettre un... Ne serait-ce que la moitié du ralenti, ça va me permettre de souffler un peu, là. Bon, dire que j'en ai les mains moites à tirer la manette de la PlayStation 2, ce serait mentir. Mais, si je peux me dégourdir un peu les doigts, je dis pas non. Peu de compte. Ça me permet tranquillou de pointer 2-3 trucs sur le net. En toute discrétion. Et c'est vraiment bizarre Twitch, parce que là je m'amuse à regarder mon ceux qui sont connectés, les utilisateurs qui sont soi-disant dans mon chat du... de mon canal émetteur, donc le robot là, il me déclare au compteur que j'ai un spectateur, donc toi, mais il me fait une liste de 6 utilisateurs, et d'ailleurs il y en a deux, si je clique dessus il me dit que le compte est suspendu ou désactivé. Donc on se demande qu'est-ce qu'il vient foutre là. C'est... que c'est des comptes qui ont été piratés, qui sont... Enfin bref, c'est bizarre. Ça fait bazar sur Twitch. Là, pour le coup, ce point-là, je cherche même plus à comprendre. C'est vraiment étrange. Oui, tu penses comme moi, ouais. Ouais, là, je sais pas, tu vois, Westbot, il réagit pas toujours tout le temps, bon. Il doit être sur les rotules, sur les genoux. Et je devine ton propos. Attends, je vais essayer de te le faire parce que j'ai l'impression que le Westboot est en grève. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Ou alors, mais pourtant t'es mon modérateur, donc je crois que je t'avais... Non, pas point d'exclamation, non. Encore que si tu veux, je pourrais te préparer une commande textuelle à base de points d'exclamation. Ce serait pas con, tiens, juste l'histoire de le fait de te présenter. De manière textuellement, dire que t'es mon... Enfin, qu'on s'entend bien, on coopère entre nous, souvent sur Twitch. On va peut-être faire un truc comme dans le genre là. C'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je voulais te dire... oui, non, t'es mon modérateur, normalement tu devrais pas être soumis au délai, ce qu'on appelle en anglais « call down ». Je ne crois pas. Il faudra que je relise mes paramètres Westbot. Que sinon, pour les gens, j'ai mis différents chronos, enfin délais de pause. La pêche, tout le monde confondu, la pêche, on ne peut que pêcher qu'une fois par minute, histoire de ne pas faire saturer le chat du jeu de la pêche. Les commandes audio, excepté les VIP et la modération, donc je crois que je mettrais pour chaque utilisateur, ils ont droit à une commande toutes les heures, enfin la même commande toutes les heures, et il ne pourra pas y avoir de commande sonore exécutée sans qu'il y ait un intervalle de 5 minutes de pause observée, histoire de pas trop bombarder
Enfin, je pense avoir trouvé le bon équilibre. Je pourrais modifier évidemment ma guise s'il y a des, si la recette n'est pas la bonne. Mais j'ai bon espoir que le temps que j'ai investi là à bien programmer, bien paramétrer tout ça dans la coulisse, j'aurais pu le faire plus tard, pour y toucher et laisser en roue libre. J'aurais plus qu'à apprécier, à dire tiens, j'allume le bouton studio. Je me mets en ligne et puis hop, je suis avec vous tranquille. Je savoure l'investissement temps, compétences et sous-sous d'ailleurs pour les options que j'ai achetées pour apprécier quoi pleinement d'être avec vous, faire des week-ends relax en ligne à papoter entre copains. Ben, ce sera bien. Ah, elle présente bien hein, la Corvette Grand Sport. Hein. Elle a de l'allure. Hein. Comme beaucoup de tutures, on pourrait me dire, mais. Oh là là. La classe. La classe américaine. Oh là là, le missile sur roue, toi. 350 km/h. Allez hop. Y'a 2000. Bon, allez. J'ai. Le ralenti et passer à la suite faire d'autres courses alors avec les petits sous je vais essayer de doper ma Toyota Yaris et faire le championnat Toyota Yaris, ça pourrait être drôle. La petite Yaris rose bonbon que j'ai gagné. Alors c'est un modèle qu'on peut acheter dans le jeu, mais pas en couleur rose bonbon. C'est ça l'originalité du cadeau. Alors attends, je sais plus. Est-ce que je l'avais optimisé? Je crois pas. Ah si, un petit peu. Elle avait la puce d'accélération. À 12 000, je peux la doper à 185 chevaux, c'est pas top. Ça fait cher pour pas grand chose. Attends, voilà. En atmosphérique, je peux rien faire. Ah, si. En atmosphérique, ça vaut le coup. Ah oui! Ah oui, pour 13 000, je gagne 70 chevaux sur le petit Yaris. Je dis oui. Je n'oserais pas prétendre qu'elle va devenir une petite bombe, mais. Ça promet d'être intéressant. Ah, je peux pas investir tout de suite dans la réduction de poids numéro 2. Qu'est-ce que je fais? Boîte très courte ou boîte courte? Ah, allez, je vais mettre une boîte courte. La DGL bien équilibrée à l'ennemi. Non, je vais mettre juste un volant sport. Ah, j'ai déjà fait, pardon. Et bidisque, et hop. Que c'est pour les bagnoles à couple élevé, mais je pense que je peux avoir un bon rendu si je fais. Ah, 250, ouais, allez, je vais mettre le semi-course. Ah, 250 chevaux, je peux faire des beaux trucs. Ouais, je gagne 15 chevaux. Pas beau. Mettre des freins sport et des bonnes suspensions. Et t'es toujours dans ton montage Max Payne? Ah ouais, tu me diras, t'as fait un direct de 7h. 7-8h, je sais même plus combien on a fait ensemble.
J'avais fait 13h, 19h, je crois. Ouais, non, non, ça va être plus en 6h. Non, non, on avait fait 6h de direct ensemble. C'était bien joué. Le sport, aussi, le sport. Oui, je sais que t'es là, Fofan. J'en doute pas. J'en doute pas. Ah, tu te fais une petite pause? Oui, t'as bien raison. Ouais, de temps en temps. Je vais peut-être écouter le sport finalement. Simulation, je sais pas ce que ça vaut. Le sport, ouais, c'est peut-être pas mieux. Allez, je vais faire le championnat Yaris. Avec un peu de chance, je vais réussir à le remporter sans trop de difficultés. Alors, Toyota Yaris, nous voilà. Allez hop, je fais les 5, voilà, toute la série, les 5 courses. Avec un peu de chance, je vais avoir la totale et ça va être bien. Ah bon? La musique est toujours trop forte? Ah, tu m'étonnes. Ou alors, il y a un truc qui m'échappe dans mes réglages. Alors attends, là je vais me spécifier musique à 4% de volume. Ou alors il y a vraiment un truc qui me dépasse dans le. Ou alors ce que j'entends moi en retour direct de chez moi correspond pas à ce que je vous envoie sur le signal internet Twitch. Peut-être. Mais si ça devait être le cas, il faudrait que je repense complètement ma config. Il y a un truc qui doit m'échapper dans les rouages là. Est-ce que j'ai le culot d'y aller sans faire de qualif? Non, je vais peut-être tester ma bagnole avant. Comme j'ai procédé à beaucoup de modifs, il faudra peut-être que je me réapproprie la tuture. Le petit bonbon rose. Oui, je regarderai. C'est d'où l'intérêt justement de diffuser en phase bêta, là, comme j'arrête pas de le dire. Ouais, c'est tout l'intérêt d'avoir un retour contrôle qualité, comme on dit en entreprise. J'aime bien le comportement de ma Yaris. Il y a quelque chose de bizarre, mais séduisant, on va dire. C'est peut-être les pneus qui font la différence. Ah, elle est trop bizarre, la Toyota Yaris. Mais elle me plaît. Elle a de la patate sans être trop agressive en fait. Je n'arrive plus à trouver les mots pour décrire ce que je ressens au niveau du pilotage, mais elle va me plaire aussi cette petite voiture. Elle a son propre caractère. Oui, pour info, moi je suis à 4% de volume dans mon Winamp lecteur multimédia. Alors avant j'avais le micro posé en diagonale et j'ai fait en sorte de le faire pendouiller astucieusement avec des élastiques. Si tu veux je te publierai la photo prochainement sur ton Discord pour que tu fasses une idée fun. Je fais pendouiller mon Discord sur la perche que je me suis installée sur laquelle repose ma webcam pour être en position centrale et que ma voix soit captée de meilleure qualité quoi. Que le micro soit plus proche sans que j'ai à le gérer. Ça, je garde une position naturelle dans mon fauteuil. Le micro n'apparaît pas à l'écran, il n'y a pas de nécessité. Et normalement, vous devez m'entendre de manière convenable, sans plus. J'ai essayé de m'amuser à foutre une. À mettre, pardon, pour parler poliment, à mettre une amplification avec voice meter de 12 décibels, mais ça génère un grésillement de fond, c'est le truc à pas faire, quoi. C'était sûr, hein, mais je voulais tester. Je me suis fait un petit essai de 5 minutes.
tout à l'heure, juste après mon dîner, avant de lancer le direct. J'aurais été agréablement surpris que le VoiceMeter gère une amplification sans dégradation de la qualité du signal, mais non. C'était rêvé. C'était rêvé, mais ça marche pas. Je suis premier avec presque 2 secondes d'avance. Oh, ça sent bon. Et je me suis pas. J'ai pas cherché à poncer vraiment à bien piloter. Donc ça sent très bon pour mon championnat là. J'ai peut-être investi ce qu'il fallait au niveau de la tuture. En plus, j'ai la version japonaise alors que tous mes autres concurrents ont la version européenne. Et ça peut jouer. Ça peut jouer à mon avantage. Oui, merci, fait fan. Alors, tu vois, tu viens de me faire un GG classique textuel. Mais tu peux faire le GG préfixé par un point d'exclamation ou le GG en son avec un préfixé par un plus. C'est déjà prévu. Sauf que Wisebot est apparemment te boud. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il prend pas en compte ta commande? C'est pas comme si t'étais mon modérateur en plus. C'est ça qui est bizarre. Oui, ah bah on y code, merci. Eh ouais, t'as belle icône de chat. Alors je sais pas si ça s'entend normalement non, bien que j'ai un microphone qui soit bien sensible, mais là sur Nancy il y a un truc de fête dehors et j'entends les boum 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 au loin. Là ça fait recueil tribal avec des percussions de sauvageons. Je dis ça alors que j'adore la musique techno. C'est presque l'hôpital qui se moque de la charité, enfin non, c'est pas la bonne expression, mais un chimpanzé qui se moque des orang-outans. Un peu de la même famille. Oula, 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 je pars en dérapage. Faut-il encore qu'il soit contrôlé? C'est beau comment ils ont modélisé le Colisée de Rome. C'est stylé. Non, franchement, j'aime beaucoup que... mes choix mécaniques pour la petite Toyota Yaris là, elle m'est plaisante à piloter. C'est que du bonheur. J'ai pas de réglage particulier à faire parce que c'est j'ai choisi des pièces pas personnalisables, peur de pas passer 3 heures dans les stands pour des réglages. Et le petit bonbon rose fait son boulot. Ouais, c'est déjà l'arrivée. Tranquillou. Peut-être.
sans se forcer, sans se presser. Ouais, 2 secondes et demie, tranquille. Oups, je sais pas si ça s'est vu, j'ai fait gicler en fermant ma bouteille d'eau. Il y a de l'eau qui a dû gicler dans le champ de la caméra. Mon dieu, n'importe quoi ce bouchon. Ça vous a besoin de regarder un petit peu. On va peut-être pas regarder les deux tours, mais juste un seul tour. Continuer le championnat juste après. Faire c'est ça. Ah oui, mince. C'est pas une ligne. C'est bien de lui. Voilà. Ici. Et. Ah ouais, allez, la suite avec le petit bonbon rose. Ah oui, c'est vrai que je peux sauvegarder ma progression, c'est pas idiot. Oh la vache, il va déjà être 23h. Le temps passe vite. On passe trop vite. Je deviens vieux sous vos yeux. Ah. N'importe quoi. Aïe aïe aïe. Là, c'est bizarre, j'ai... Ah non, je peux pas faire... Non, je peux pas faire mieux avec la caméra. Parce que là, j'ai l'impression que... Non, je suis bien cadré, en fait. Bon, vous voyez peut-être que j'ai...
peu trop de bide. Ouais, je sais pas, j'essaie de me dire, est-ce que je présente bien, tu vois, je suis monte critique par rapport au... En même temps, au direct, j'en profite. Bon, allez, concentration. Oh, ah oui, technique celui-là, c'est le célèbre tracé américain. La goodness, c'est car. Bon, petite cylindrée, ça devrait pas poser de problème. Avec le petit bonbon rose de 250 chevaux, je le rappelle. Alors qu'à la base, elle en faisait que 120, je crois. Bah, je zigzague entre les tutures. C'est la folie. Attention, freinage. Ah, j'ai des freins sport. Aïe. Portière contre portière, je vais lui claquer la bise. Alors, claquer la bise, c'est pas une expression propre au sport automobile, elle est de moi. Mais je dis ça souvent dans les courses lorsque c'est un peu trop viril et qu'on se retrouve portière contre portière. Quoi. Moi je dis qu'on se claque alors la bise. Et si c'est justement pas du stock car, il vaut mieux éviter. Oula, 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 oula. Faut pas que je prenne un peu trop large mes virages. J'aime beaucoup, je me souviens pas que les cieux, ce qui est ciel programmé dans l'autre Tourismo 3, je me souviens pas que c'était si bon. Il y a quelque chose de poétique dans le décor, c'est vraiment bien. Aïe 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 aïe. J'ai fini mon bac à sable, heureusement sans conséquence. Et je m'attendais pas à être aussi bouillon. Faut vraiment que je reprenne mes repères sur les grands tracés automobiles internationaux. Je les connaissais mieux jadis. Et là, comme je me suis pas amusé au tuteur depuis quelques années, j'en paie le prix. Je me rafraîchisse la mémoire. Non, sur PlayStation, ce qui va. Enfin, ma PlayStation 2 là, qui va me faire le plus d'exercices à ce niveau-là, ça va être Toka. Le Toka 2 que j'ai la chance d'avoir, a plus de circuits automobiles à proposer internationaux. Il y a aussi des quelques parcours imaginaires qui sont magnifiques. Là aussi j'aurais plaisir à rejouer, mais j'y rejouerai en officiel, je pense. Je ferai ça que l'année prochaine. De toute façon là, des jeux de PS2 que j'ai ressortis du carton, pour un les tester et puis certains les restaurer, parce que quand j'achète deux cases, ils sont parfois dans un état lamentable, entre la crasse et les rayures. Et une fois que je les ai repolis, bien brossés pour essayer de les sauver, là, il y en a quelques-uns, plus que quelques-uns d'ailleurs. Je vais remettre dans le carton et refermer le carton que j'aurais pas dû ouvrir pour mon futur déménagement. Et je vais me garder 5-6 jeux PlayStation 2, c'est tout quoi, avant le temps de ma transition entre mon habitat actuel et chez moi. De toute façon, je prenais aussi des jeux PC. Et il y a toujours le souci, je le rappelle, au moment d'enregistrer cette vidéo, enfin de faire ce direct, j'ai toujours le souci de la captation de ma PS3. Normalement, techniquement, j'ai les moyens de le faire, mais j'ai pas trouvé la combinaison gagnante pour capter le signal. Et un petit coucou symbolique, un remerciement à Zex de Citron, qui m'avait dit sur Discord en privé qu'il faut bien regarder dans les options de la PS2, et les options sont nombreuses sur la PS2. Il paraît qu'il y aurait une combinaison gagnante à effectuer pour qu'elle lâche le signal et qu'elle accepte, entre grosses guillemets, de se faire capter. Donc la mienne doit être d'usine verrouillée, on va dire. Donc je trouve de quoi lui donner un coup de pompe dans le derrière. Ouais, bah ouais. Parce que là aussi, la PS3, j'aurais aussi pas mal de contenu à vous proposer aussi. Donc, on pourrait faire des beaux trucs.
Ah tiens, d'ailleurs, j'ai quelque chose qui vient de me titiller dans l'esprit. Enfin bref, on verra plus tard. Non, j'ai pas envie de regarder le ralenti là. Je vais bouder le ralenti, on va passer à la course suivante. Je vais juste sauvegarder ma progression. Et on passe direct à la course suivante. Yop la boum. Alors c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui c'est que la suite? Je connais pas. Pardon. Ah, c'est Tokyo, je crois, non? Ouais, Tokyo, célèbre route R246 autour du temple Shinto. Et devant les locaux, l'immeuble des développeurs du jeu, Polygram. Non, polyphonie, pardon. Moi, je suis polygramme. Ben, j'ai pris peur de l'arrivée du virage, j'ai freiné un peu trop tôt. Ça vaut mieux ça que l'inverse. On va encastrer dans le décor. Oh, t'as comment qu'il m'est rentré dans le coffre? Ah, cette course-là pourrait être un petit peu plus disputée que les autres. Pas facile. Allez, on y croit, on va y aller. En plus, c'est la bonne musique. C'est bien ce que j'aime bien. C'est que c'est la vibe, le rhythm. Pas mal. Ça reste propre, j'ai pas touché. Bord du circuit. Ah là si, oh là là, comment qu'ils m'ont plaqué des sagouins. Et ils m'ont attrapé. Ah là, ça va être disputé comme course. Il va y avoir du suspense. Le ralenti promet d'être joli. Ouah, mais c'est qu'à me dire là, ça va devenir ma bête noire. Donc. Là, comment qu'il me résiste? Il me tient tête. Alors, en ayant une boîte courte, j'ai forcément une meilleure accélération que eux. Par contre, sur cette grande ligne droite du centre-ville de Tokyo, est-ce que en vitesse de pointe, ils vont pas finir par me gratter? Parce que je suis limité à 200 km/h. Même moins d'ailleurs, elle vient de caler presque après le retrouvé à 195. Je risque de me faire entuber là, dans la ligne droite. Ça va, ils n'ont pas doublé. Mais ça a pu mal se finir. Oui, je te donne spontanément une petite info, fan, parce que ça me trotte dans la tête. J'anticipe déjà la journée de demain et le plaisir de faire avec toi le direct Stronghold là, avec Frobos et compagnie. Donc j'ai mis à jour mes cartes et je vous les ai publiées donc, sur ton Discord. Sans jouer au jeu Stronghold, là ça doit faire 15 jours que j'ai pas fait une partie. Donc il me faudra peut-être un petit temps pour que je reprenne mes repères. Oh les salopards, ils arrivent à me rattraper à ce moment-là, à cette portion de circuit, et je vais finir dernier alors que je menais la course. Waouh, là c'est viril. Oh, comment je les gratte dans le virage en épingle, parce que j'ai une meilleure motricité.
Et une meilleure accélération, bande de sagouins, non, c'est moi. On va gagner, non, aspiration, non. Non, l'arrivée est encore loin. Ah, les journées. Ah oui, du bon choix d'avoir opté pour une boîte courte transmission. Hey. Allez, je bois un coup, là c'est mérité. Chaque est bon. Ah, là pour le coup, le ralenti là, je vais bien le regarder en intégralité parce que ça a été disputé jusqu'au bout. Mon chahuté. C'est marrant, puis quand je pense que la Toyota Yaris, c'est le modèle de culture de ma frangine. Je conduis une Toyota Yaris. Ça m'amuse. Qui je trouve une voiture agréable. Alors à conduire, je sais pas, j'ai pas tenu le volant. Mais en vrai, hein, je parlais du volant. Mais pour y avoir été passager, j'aime bien l'intérieur de l'habitacle de la Yaris. Elle est petite, confortable et je pense qu'elle est bien pratique. Ah, belle vue. Oui. Et du dessus. Waouh, ah ouais, comment ça tape le muret. Ah, c'est viril. Trop bien. On voit les six concurrents sur un seul et même plan. Oh là là. Et c'est pas moi qui déborde au plus large. Hein. Dans les sorties de virage, je pourrais pas dire, mais les concurrents ont des trajectoires moins propres que les miennes. J'en profite pour faire mon petit jeu de la pêche. Et là, je pêche un huchon. Très bien. Là, j'ai vachement bien passé le virage. L'exemple parfait de extérieur, intérieur, extérieur. Rien à redire sur ce coup-là. J'ai piloté comme si j'étais au volant, là, pour le coup. On entend les boum 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 dehors. Ça pulse vraiment là. Il y en a qui sont une rêve partie à Nancy ou je rêve. Normalement, on est une ville réputée pour le jazz puis la musique classique avec l'opéra. Mais là, ce soir, c'était qu'on devrait. Impressionnant.
Comment j'ai tapé le mulet, c'était violent. On n'avait plus dressé le constat de l'accident. Je vais même enregistrer le ralenti parce que franchement il est beau celui-là. Ouais. Ça a été une belle course disputée de bout en bout. Ça mérite d'être immortalisé. Ah oui, bah si, si, il y a la musique. Ça boum boum tellement bien dehors que j'arrive même plus à percevoir ma propre musique. N'importe quoi. Hallucinant. Aïe aïe aïe. Eh bien. Alors, sauvegarder le ralenti et après sauvegarder la partie. Ça c'est dommage qu'il n'ait pas gardé dans les... Et pas regardé le nom par défaut dans le... les réglages du jeu. Regardez, je fais une bêtise. C'est mon 002. Regarde. C'est cool. Et là, je vais sauvegarder la partie. Allez, super. On va aborder la quatrième course sur les cinq. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours premier. Ça s'annonce sous des meilleurs auspices. Ah, Trial Mountain, je crois. C'est ça. J'ai reconnu. C'est parti. Waouh! Oh, 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 il y en a qui pilotent bien moins bien que moi là. Là je vois des choses sales là. Le ralenti promet d'être comique déjà.
Waouh, j'ai un petit peu trop grignoté le bord. C'était un coup à ce que je parte sur le toit. J'ai bien été secoué. Tranquille. Ouais, j'ai une seconde et demie. Pas très bien. Ta voiture pot de yaourt, c'est ta vie, Stéphane.
complètement logique. Allez, la dernière course du championnat. Ça sent bon la victoire. Oh oui, oh là là. On voit au tableau des points. J'ai le double de points que le deuxième. Le deuxième à 20, j'ai déjà 40. Mais la classe ultime serait de remporter aussi cette dernière course. Domination totale. Comme dans Mortal Kombat. Tracé à l'envers, c'est tout le temps. Ah, pas mal la vie des nuits. Ouais, j'ai pas mes repères. Oserais-je dire que je stresse un peu? Parce que j'ai vraiment pas mes repères. Oula, 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 oula. Hop 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 hop, j'avais dit que c'était bien, j'en ai pas rien. Une fête d'enfer. Là, ça me fait penser, j'ai une commande rigolote à te faire découvrir comme femme. Ah ouais, bonjour à Josh. Bien le bonjour à Josh. Ah ouais, faudrait que tu reprogrammes, avec tes CP tuteurs programme avant Noël. Enfin, libre à toi évidemment d'aménager ton agenda de direct. Alors, ça serait vachement bien de te retrouver en duo avec Josh pour un peu direct. Merci, merci, bisous tout plein à Josh. J'oublie à chaque fois, à chaque tour, que ce virage est un virage en épingle. Ouais! J'ai encore défoncé ma Toyota Yaris contre le mur.
Eh ben voilà, j'ai championnat gagné. Hop. Mais tiens, je vais lancer ma fameuse commande de fou furieux quand c'est le bazar. C'est officiel, c'est le boxon, c'est le bazar, 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 c'est le bazar. Je suis à l'antenne depuis combien de temps? Ah bah non, que je suis bête. Forcément qu'il va me dire que je suis hors ligne. C'est pas le bon chat. Quel idiot je fais. Donc je regarde ça. Je sais plus quelle interface. Ah, ça fait 3 heures déjà. Ouais, tant que c'est. Ah, je commence à fatiguer pour de bon, là. Le sommeil me rattrape. Je reste encore une bonne grosse demi-heure pour symboliquement tenir jusqu'à minuit et puis on prend le signal parce que je passe une bonne nuit pour être en forme demain. Mais je traîne dans le... Thank you.
Ça, vous savez. Ça. C'est la réponse. Joli trophée, je me souvenais pas de cet écran dans Gran Turismo 3, je m'en souvenais pas du tout. On gagne un championnat, stylé. Ah, mon championnat entièrement remporté. Deux bagnoles, ah non, c'est au hasard les bagnoles, d'accord. J'ai cru qu'il allait m'offrir deux bagnoles. c'est une Yaris, mais classique. Ah, je... Faut que je mène l'enquête. Participez au championnat Yaris avec votre Toyota Yaris pour remporter une autre Toyota Yaris. Mais qu'est-ce que ça signifie? Une fois de plus, je vous l'avoue. C'est officiel, c'est le boxon, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. Pareil, j'ai deux MR2, et c'est n'importe quoi. Mais oui, et j'ai regagné le même modèle, mais d'origine. Mais vous êtes sérieux, les gens? Et non. Mais what the fuck. Bon. Bon, moi j'aurais une Yaris de série et ma Yaris modifiée. Je suis un peu décompensé. Mais... Oh, je me demande si je vais pas me taper un délire. Comme j'ai 37 000, je vais encore m'acheter une autre bagnole. Je vais essayer de pas prendre une japonaise pour une fois. Bah tiens, une petite française. Tu vas pas m'offrir une petite française pour pas cher? De pas sortir ses propos de leur contexte. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai la 206 qui m'est accessible de série. Ça peut être rigolo. Oh, je peux même pas m'offrir la Clio en version sport, dis donc. Oh la vache. B. Moi, je vais me prendre la petite Peugeot pour le plaisir. Couleur. Couleur qui couleur. Ah, il était pas mal le bleu trolli là. Le bleu des trolls. Ouais, le bleu des trolls m'a tapé dans l'œil. Ah ouais. Yeah. Ah, petite Peugeot. Ouais, je vais conduire la petite Peugeot. Je vais m'amuser, je vais faire un truc de fou comme dernière course. Je vais participer à une course que je suis certain de pas pouvoir remporter. Le gars il est fou. Et où? Je vais me faire quelle course? Ah, Seattle, pourquoi pas? La grande ville des États-Unis. C'était l'ancien berceau justement de la fabrique des grandes américaines. Avant la terrible crise économique qui a frappé la ville. Ouah, face aux voitures de rallye, je vais me faire bouffer. Ridicule mais drôle. C'est petit. On va aller faire les courses. Oh mon dieu. Oh là, ils sont loin. Envoyez-moi une carte postale, les mecs. Bah où? Ah, je ne souvenais pas que la Peugeot ou 206 prenne aussi bien de série. Elle est agréable à piloter. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus pénible que ça, mais pas du tout. Elle est bien agréable.
Oula. Ah oui, j'ai failli tirer tout droit et aller au stand. Non, je veux pas aller au... Je veux rester sur le circuit. Comment qu'elle a poussé dans la montée, la Peugeot. J'ai adoré le waouh. Le moteur qui s'emballe alors que j'ai un petit saut de rien du tout. Mais c'est vrai que la ligne droite en escalier, Seattle a des airs de San Francisco. C'est vraiment un schéma d'urbanisation très américain, ça. Bon, certes, évidemment, j'étais condamné à finir dernier, mais ma course a été propre et agréable. C'est tout ce que je demande. La petite Peugeot. Oh, 40 secondes de retard. Oh mon Dieu. Mais bien. Oh là là, quand même, les bolides sur les lignes de départ. Oh, les belles bêtes. J'aimerais bien avoir ça dans mon garage. Ah, oh, ça arrivera tôt ou tard. Oh, j'ai un petit lot de consolation, sans crédit. Moi qui m'attendais à me retrouver avec un zéro pointé. Rien que le départ. Je mate le départ qui est ridicule. Oh mon Dieu. Ah oui, ridicule. Le départ de la Peugeot. Ah, génial. Oh là là. Oh, ils en foutent du jeu. Mais hey, jusqu'à quelle heure ça va durer là, leur fête dehors? Je vais finir par me poser la question si je vais réussir à m'endormir sans trouble ce soir. Enfin, cette nuit, vu l'heure. Oh là là. Bref.
Pour aller jusqu'à minuit, je me fais... Ouais, allez, je me refais un grand ovale. Allez, le côté grisant, y a pas à se prendre la tête. Et au niveau sous-sous, PNF. Ouais, ça permettra d'aller peinard jusqu'à minuit. Voilà, le championnat des voitures de rêve. Je la pêche. Je raffole de mon propre jus de pêche. Il ne répond plus. Ah. Une corégone de lac. Allez, le monstre! Bolide depuis son mon garage jusqu'à maintenant. Ouais, t'es bien, tu es changé. Ah, comment qu'il s'est déporté sur la gauche. Oh, le fou. Et ça a fait place. Ah, j'atteins ma limite. Non. Oh non, j'arrive pas à passer.
Troisième tour sur 5. Tranquille. Quel plaisir, ça roule. Direct pour terre. C'est un peu moins de 8 km. Donc, vu la vitesse de 350 km/h, on va être réglé en 5 minutes. Bon, là, je remets 12 secondes. La performance est atmosphérique. De la chouvre à l'écart avec un sport. La classe américaine. HG Lane. Avant de rendre l'antenne, il y a quand même une chose que j'aimerais vérifier. Dans OpenSmall, je suis en train de me dire s'il n'y a pas encore une version coupon carburant de cette même course, mais dans le... Encore que, il est peut-être en course endurance. Enfin, je vérifie, tiens. Ah, mais il faut le permis S pour faire les courses endurance. Or, c'est le permis qui me manque, le permis S. Celui-là pour obtenir dur. Dur. Parce que pour les voies gagner, il y aurait possiblement non seulement des sous, mais une voiture d'abord. Tiens, je vérifie mes dires avant de rendre l'antenne.
là. Oh, mon meilleur tour aura été le dernier. Je serais passé sous la minute 50 pour faire un tour. Énorme. Énorme. Ah, j'aurais presque mis 20 secondes. Dans les 30 secondes. Il y en a un qui va arriver avec une minute de retard. 3, 2, 1, et minuit, on est dimanche. Oh là là. Ah oui. Ah oui, 1 minute et 1 minute 3 en plus pour la dernière. Subirait une Presa en plus en version courte. Eh bien. Yeah. Et sous les pépettes faciles. Ça fait plaisir. Alors. Avant d'oublier, je vais sauvegarder ma. J'ai jeté un œil dans la ligue professionnelle dans les courses d'endurance. Et après je rendrai l'antenne. Je peux même aller faire dodo et pas trop se décaler. J'ai un couche-tôt lefto, là je fais du temps bonus. Merde, si non pardon. Si j'ai raison, c'est mon truc. Ah, attends, déjà ligue professionnelle. Voilà, je redécouvre totalement, je m'en souviens plus. Là, bah là, il n'y a pas la piste courte. Et si qu'elle y est. Si qu'elle y est. Ah, 35 000. Intéressant. Elle doit durer encore plus longtemps avec des concurrents plus coriaces. Ouais, doit y avoir, même là, je pense qu'il doit y avoir la test course. Mais oui, qu'elle y est. Elle y est. 35 000 50 000 Ouh. Ouh, bah la prochaine fois, je vais les tester, celle-là. Mince, j'aurais dû y penser avant. Non, bah j'étais Japon, je peux pas. C'est une américaine que je pilote. Non, vous êtes sérieux, les gens? La Toyota Yaris? Non. Ah oh bah, je vais ressortir mon bonbon rose. Ah, bien, championnat Clio, ça vaut le coup. Ah, TVR. Les TVR, je l'ai en plus, la Tuscane. Oh, je pourrais faire aussi la course là. Oh là, faut que j'essaye. Ah bah voilà, pareil, test course. BNF. Allez, 50 000. Ah, 40 000. Ah, faut le permis spécial que je n'ai pas. Merde, dommage. La coupe polyphonique du troll. Ah non, il n'y a pas de test coupe. Ouh, le championnat là, il est dur. Comme le vent. Ah bah, spécial test coupe. Ah, faut le permis spécial. Quoi, 10 000, c'est pas cher payé. Il doit y avoir une bagnole derrière, mais c'est bizarre. Et secret. Et en endurance, y a pas le. Y a pas le test coup. Ah, y a le super speedway. Ah merde, non, c'est pas d'info, faut que j'aille dessus. J'aille dessus. L'info, c'est quoi? Ah, je pourrais participer, dis donc. Permis international A. Je l'ai, et 200 000. Oh, intéressant. Ah, j'essaie de le faire prochainement, tiens. Je le ferai en étant en direct. Sympa, tiens. Oh là là, ça promet de belles courses en perspective pour la prochaine fois. Et je sais déjà plus si j'ai sauvegardé ou pas, mais je vais recommencer.
pour être certain de pas me planter. Oh, que c'est intéressant. J'ai bien fait de me poser la question. C'est cool. C'est cool. Non, mais non. Non. Bon, bah, moi, je vais vous dire ciao. Je vais repasser rapidement en plein écran. Merci pour ceux qui étaient là en direct. Merci, Fun Fan. C'était cool de papoter un petit peu. Que dire. Merci à tous ceux qui regarderont le ralenti. Voilà. Il sera disponible sur Twitch pendant 15 jours. Et je pense que je le mettrai demain ou rapidement sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, à tout hasard, pour les curieux, je vais remettre mes liens. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, je mets toutes les infos, dont la chaîne YouTube. Bref, bonne nuit, et puis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao!